Bon, ça va peut-être faire taire les mauvaises langues. Bon, je viens d'arriver à la maison. Mais oui, j'ai repris du poids un peu. Mais moi, je m'en fous, j'étais en crise. J'avais trop envie de trucs délicieux. Je vais me remettre à la diète, je pense, demain. Mais oui, j'ai pris du poids, ça se voit. Mes joues sont beaucoup plus gonflées. Après, j'ai rien pris au fond. Je suis pas vraiment à 36-38. Mais oui, j'ai recommencé à gonfler parce que j'ai pris des kilos. Ces derniers temps, vous voyez que je bouffe. Et donc, qui dit bouffer comme ouf, dit reprendre du poids. Mais moi, ça me dérange pas parce que je sais maintenant gérer mon corps et perdre le poids que je veux quand je veux. Et vu que c'est le dernier soir où on bouffe, autant bouffer un grec. Oh, merguez. Adouba n'a pas comme les Françaises. Ça m'a manqué. Vraiment. On a vraiment, vraiment, vraiment les meilleures merguez en France. Hein. Nulle part ailleurs d'autre. Incroyable. Ça fait trop du bien d'arriver à la maison. Après, je sais pas combien d'heures de route. Putain, mais c'est grave quand même quand je commence à reprendre du poids. Je commence déjà à reprendre des joues. Mais bon, d'ici demain, après-demain, ça aurait été gonflé. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Petite tenue du jour. Donc, petit jean que j'avais acheté à Paris Nord. Avec des paillettes comme ça, j'aime trop. Avec un petit haut de chez la marque à déconner ces derniers temps. Veste pareil, un petit sac. Et petit paire de Hugs. Les filles, vous savez tout très bien, j'adore. J'en fais très souvent par contre pour ma peau, pour la cellulite et tout, pour le traçage de mon corps. Aujourd'hui, je vais faire les abdos, je vais faire la madérothérapie, je vais faire la radiofréquence pour la peau de mon ventre et je vais faire la pressothérapie. Et peut-être que je vais faire le tunnel qui fait perdre 500 grammes. Franchement, c'est le meilleur salon complet sur le domaine de la minceur et du traçage du corps. Donc à chaque fois je vous le mets, moi je viens que ici hein, personnellement. Vraiment ils sont équipés à mort. C'est parti. Bon là c'est mon ventre normal. Vous allez voir après comment il va être tracé. On va ressortir tous les petits abdos. Déjà je suis pas mal tracée hein, grâce à la machine des abdos. Moi j'aime bien. Bon, tu peux nous expliquer c'est quoi cette machine? Alors, c'est la lipocavitation, c'est ce qui va permettre, en fait, avec des ultrasons, de casser les graisses en profondeur. Donc, du coup, on travaille d'abord sur les graisses en profondeur et ensuite, on va travailler avec la radiofréquence pour travailler sur le relâchement de la peau. Ok, donc là, c'est lumière verte pour... C'est, du coup, c'est travailler des graisses en profondeur. Ok, voilà. Donc, pour casser les graisses. C'est la lipocavitation. Exactement. Voilà. Parce qu'après, les couleurs, ça change. Rouge, c'est pour tendre la peau. Il y a des couleurs différentes, donc c'est pour ça que je vous explique. Au moins, vous savez ce que vous pouvez demander, ce que moi je fais. Parce que je sais que vous aimez bien faire tout ce que je fais en référent. Mais vraiment, c'est top. Et là, on est sur de la radiofréquence pour retendre la peau, donc lumière rouge. Exactement. Ça va réactiver tout ce qui est les fibres de collagène et d'élastine qu'on a naturellement dans notre corps, qui sont un petit peu plus faibles quand on prend de l'âge ou quand on prend du poids et qu'on perd du poids. Et du coup, ça va venir recoller la peau aux muscles. Ça, c'est la madérothérapie des pieds. Ça va venir tracer le ventre, casser les graisses.
les filles, vraiment le combo de Machine plus la Madero, c'est une dinguerie. Mais vraiment, genre, ça vous trace le ventre, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, c'est bien, hein, même pour les drainages lymphatiques, ça vous permet de dégonfler. Mais ça, là, non, ça me choque. À chaque fois que je viens, je suis encore plus satisfaite. J'aime trop vraiment les filles. Et je vous parle sincèrement, voilà, que j'aime trop faire ces techniques, tout ce qui est Madero et tout. Ça trace de ouf. Et par contre, celles qui sont douillettes, je vous dis sincèrement, si vous voulez de l'efficacité plus, et que vous le voyez vraiment à votre première séance, et ben va falloir serrer les dents et clairement demander qu'elle trace bien le corps. Et là, vous aurez ces résultats-là. Si par contre, vous êtes beaucoup trop douillette, vous n'aurez pas le même résultat sur la première séance. Vous aurez un résultat qui ne sera pas flagrant comme ça. Mais si vous serrez un peu les dents et vous souffrez pour être belle, vous ressortez avec un premier résultat incroyable. Le tout premier, genre vraiment. Bah, c'est ça qui m'a entraîné à revenir plusieurs fois. J'aime trop. Moi, je suis pas douillette, je demande à chaque fois d'appuyer de fou, carrément. À chaque fois, elle me dit, ça va, t'es sûre? Je dis, ah, vas-y, assassine-moi, tranquille. Non, vraiment. Bon, là, c'est les abdos, les amis. Ça fait combien d'abdos? 20 000 abdos. 20 000 abdos en 30 minutes. Et en même temps, je fais de la pressothérapie. Pour mes jambes. Ça, c'est tout ce qui est retention d'eau et tout. Ça détend les jambes, ça fait trop du bien. Bon, les amis, ça y est. Moi, j'ai terminé mes petites séances. Franchement, je suis trop contente. Vraiment, c'est le meilleur institut. D'ailleurs, pour toutes celles qui veulent se former sur les machines, sur les massages, sur tout ce que je viens de vous montrer, vraiment, c'est un salon qui est spécialisé dans tout ce qui est beauté du corps, amincissement et plein d'autres prestations. Vraiment, il y en a énormément dans le salon. Il y a même des ongles pour vous dire. Mais vraiment, elles font des formations pour celles qui sont intéressées. Donc je vous laisse directement rentrer en contact avec eux, je mets son Snapchat à chaque fois, mais vraiment il est au top ce centre. Personnellement, je ne viens que là, de toute façon vous le voyez, c'est pire que cohérent, parce que dès que je mets un pied à Paris, je viens faire mes petites séances. Heureusement que sur Snap, il y a le flash. Je suis dans mon appart. Et en fait, le fait que j'habite à l'étranger, j'ai oublié de payer la facture. Du coup, là, je viens de la régler. Sauf que le problème, ils n'ont pas remis l'électricité. J'ai l'électricité qui dure 2 secondes. Je dois me préparer. Donc voilà ma solution de ce soir. Je voulais ranger l'appart et tout. Il est en Bronx. Sauf qu'il n'y a pas de lumière. C'est une galère.